Salut à tous, ici Ange Rouge, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une maison. Donc c'est un speed build d'une maison un peu automnale avec pas mal de couleurs, du rouge, du orangé, du marron, voilà, des couleurs d'automne. J'avais vraiment envie de faire une maison comme ça. Et donc j'ai cherché un petit moment pour la placer, la maison. Sur le coup j'ai pensé à Windenburg, après je me suis dit bon c'est vrai que je construis vraiment souvent à Windenburg. Bon c'est vrai que c'est un endroit super sympa, très campagne, etc. Mais j'avais envie de changer et d'avoir une nouvelle map. Et du coup je me suis mise à Willow Creek, dans un endroit où d'habitude on ne trouve que des terrains communautaires. Parce que c'est l'endroit qui est tout en bas de la map avec les petits terrains communautaires que vous voyez en bas de Willow Creek donc. Et à cet endroit là donc j'ai rasé les terrains communautaires et je me suis mise sur le terrain qui est tout en bas à gauche il me semble, ou à droite, mais bon je sais plus exactement. Voilà, et donc vous voyez à l'écran derrière il y a un grand lac, c'est super sympa, il y a un petit parc juste à côté pour que les enfants puissent s'amuser. Et c'est vrai que cet endroit je m'en sers rarement en résidentiel, mais finalement c'est super sympa. Voilà, donc j'avais envie de construire cette petite maison. Enfin, c'est pas vraiment une petite maison, hein. elle est quand même assez conséquente. Une maison familiale avec plusieurs chambres, donc je crois que j'ai fait 3 chambres à l'étage. Les chambres sont uniquement à l'étage d'ailleurs. Donc vous avez les chambres à l'étage, vous avez la pièce de vie en bas, enfin oui, au rez-de-chaussée, avec la cuisine. Et vous avez un jardin qui est traversant, un petit coup de fait sur le devant de la maison et également à l'arrière de la maison. Vous verrez par la suite quand j'y serai. Voilà, donc cette maison, c'est une maison automnale. Hein. J'avais envie de me servir de tout ce qui touche à l'automne et aux citrouilles. Parce que c'est pour moi une période de l'année où c'est indissociable des citrouilles. Que ce soit dans les sims ou dans la vraie vie, j'ai tout le temps envie voilà, même en cuisine, de cuisiner des citrouilles, des trucs avec des courges, etc., des butternuts. Enfin bref, c'est pas trop le sujet. Mais voilà, donc du coup, ça déteint hein, aussi dans les sims. Et là, j'avais envie du coup de créer avec tous les petits objets qu'on a, les citrouilles, que fait aussi bien dans le kit d'Halloween. Donc c'est vrai que ce kit d'Halloween, je m'en sers pas spécialement hors de cette période, hein, parce que... il n'y a pas énormément d'objets à l'intérieur qui m'intéressent, moi, perso. Mais bon, c'est mon avis perso, hein. Mais voilà, j'adore vraiment me servir de ce kit pendant cette période, parce que je trouve que toutes les citrouilles sont super sympas, notamment dans le mode debug. Voilà, on va dans le mode debug, on tape le code, donc vous tapez testing sheets, ok. Ensuite, vous tapez... le code pour débloquer les objets. Alors là, je sais plus exactement le nom du code, mais je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas ce code. C'est un code super sympa pour avoir tous les petits objets que vous ne pouvez pas obtenir en général dans le mode achat. Donc vous tapez tomate par exemple, ou alors carte mémoire dans la barre de recherche. Et à cet endroit-là, ça va vous débloquer tous les petits objets, c'est-à-dire les petites tasses, les poissons, enfin tout ce genre d'objets quoi. Et donc c'est à cet endroit-là que j'ai trouvé aussi toutes les citrouilles. Alors ces petites citrouilles, je les trouve trop mignonnes. Donc déjà vous pouvez choisir entre une citrouille normale, vraiment la citrouille basique, ou alors qui est aussi déclinée en plusieurs couleurs. Et aussi vous pouvez choisir des petites citrouilles qui représentent, qui sont creusées, je vais dire, pour décorer. Donc qui représentent une petite tête de chat, qui ont plusieurs mimiques différentes, etc. Et voilà, et donc c'est super sympa je trouve pendant cette période pour pouvoir mettre plusieurs décors différents de citrouilles. Alors moi en général, c'est ce que j'ai fait je crois dans cette construction, je me sers pas vraiment des citrouilles qui ont plusieurs mimiques. En général je les tourne parce que je les aime bien quand même parce qu'elles ont plusieurs hauteurs différentes. Vous en avez des grosses, vous en avez des petites, vous en avez de forme allongée, vous en avez de forme... je sais pas, de plusieurs formes différentes. Et alors non seulement vous pouvez jouer avec ces formes là,
Mais aussi, vous pouvez les agrandir, vous pouvez les rétrécir, et du coup, vous avez une multitude de possibilités avec toutes ces petites citrouilles du kit Halloween. Donc voilà, donc ça, je trouve ça super sympa. Voilà, donc là, à l'écran, je suis en train de créer mon petit jardin à l'arrière et de placer justement toutes ces petites citrouilles là que vous voyez à l'écran. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Je me suis servi aussi du code pour monter les objets. Et du coup, je me suis servi donc de ce code pour monter les citrouilles et les placer sur le banc que vous voyez là dans le jardin. J'en ai placé sur le banc, j'en ai placé, il me semble que j'en ai mis dans les effets, sur des escaliers aussi. Alors je ne sais plus exactement si c'est devant ou derrière, on verra plus tard. Mais j'aime bien en mettre un petit peu de partout. Je trouve que c'est super sympa en cette période bientôt d'Halloween, hein, même si chez nous on ne vit pas énormément Halloween comme aux USA où c'est super super important, mais du coup moi j'aime bien m'en servir dans les Sims et je trouve que c'est super sympa de créer des maisons comme ça. Voilà, alors c'est un petit jardin où vous avez là ce que vous voyez, la petite dépendance là, toute petite. Je l'ai pas filmé en fait, j'ai pas filmé à l'intérieur quand j'étais en train de la décorer, mais à l'intérieur bon c'est pas compliqué, j'ai juste mis un établi pour que votre sim puisse faire des sculptures. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est vrai que j'aurais pu mettre l'établi pour faire des citrouilles. J'ai pas du tout pensé. Je viens d'y penser maintenant, mais bon, c'est trop tard. Maintenant, je l'ai terminé. Mais c'est vrai que j'aurais pu penser à mettre cet établi pour le faire des citrouilles, mais bon, c'est pas indispensable. Alors, du coup, comme tout le monde aussi n'a pas cet établi-là, voilà, j'ai mis aussi l'autre établi, celui pour créer juste des objets. Voilà, et donc là je me suis servi dans le jeu de tous les arbres, arbustes, etc. où je trouvais du jaune et du orange, ou même du rouge, ou même du blanc, hein, ça passait, voilà, pour faire toutes ces petites couleurs d'automne, voilà, je trouve ça trop mignon. Alors je me suis servi du kit d'Halloween, ce que je vous disais il y a 2 secondes, mais je me suis servi aussi du pack des saisons, parce que dans les saisons forcément il y a l'automne et on retrouve plein de petits objets adaptés pour ce genre de création et je trouve ça trop chouette. Voilà, et donc je me suis servi des objets qu'on avait aussi dans ce pack des saisons. Alors le jardin, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce jardin? Vous avez une table, d'ailleurs vous voyez j'ai posé quelques citrouilles dessus, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, mais vous pouvez tout à fait vous en servir, hein, votre sim peut quand même s'asseoir dessus. Et vous avez à côté un barbecue, vous avez une... je suis en train de chercher un mot... balançoire. Vous avez une balançoire, alors je trouve que c'est génial qu'ils aient rajouté cette balançoire que j'attendais depuis tellement de temps. Je trouve que c'est super sympa de faire un petit jardin avec une balançoire. Voilà, donc la balançoire, ça donne un petit côté super sympa à votre jardin. Donc la balançoire, le barbecue, vous avez... je suis en train de chercher aussi, oui, l'échiquier, voilà, et puis ensuite, bah, c'est tout, hein. Dans cet endroit-là, vous pourrez planter des plantes, etc., etc. Voilà, maintenant, à l'intérieur de la maison, c'est une maison qui est simple, hein, qui est toute simple. J'ai quand même mis des toilettes séparées en bas, là, c'est la première pièce que j'ai faite, d'ailleurs. C'est la première pièce que j'ai faite parce que quand je crée une maison, surtout avec un étage, j'aime bien me penser pratique. Moi, si je joue dans cette maison-là et que mon sim perd un temps fou à chaque fois pour se rendre à l'étage dans la salle d'eau, ou dans la salle de bain où se trouvent les toilettes à l'étage, ça me gonfle et voilà, je préfère créer des toilettes aussi en bas, comme ça votre sim il est tranquille, il n'a pas besoin d'aller à l'étage pour aller aux toilettes. Voilà, donc entre temps, ben, j'ai continué un petit peu le jardin, hein, parce que maintenant vous commencez à me connaître. Moi, je fais un petit peu par-ci, un petit peu par-là, de temps en temps, il y a quelque chose qui me revient, donc paf, j'y retourne. Je fais toujours comme ça. Et ensuite, donc là, j'ai créé l'entrée, je suis en train de créer l'entrée. Alors, c'est une entrée en deux parties, deux petites parties. Une entrée avec vraiment l'entrée, et après, il y a une espèce de petit sas sur le côté où vous allez pouvoir accéder à un bureau. Donc j'ai mis un bureau, un petit fauteuil, des étagères, une petite bibliothèque.
Voilà, c'est l'endroit sympa, ou l'endroit sympa bureau, parce qu'il n'y a pas de pièce dédiée pour le bureau, donc j'ai préféré le faire dans l'entrée. Et puis comme ça, l'entrée, elle paraît un peu plus spacieuse, et puis on a l'impression qu'elle est vraiment créée pour ça, quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, donc la maison, elle est pensée pour être... comment dire ? C'est une vieille maison qui est rénovée, qui a des volets de plusieurs couleurs. J'ai mis le volet vert qui est au-dessus de la porte d'entrée. Je sais pas si vous avez fait gaffe au tout début. Les autres fenêtres sont dans le ton de marron. Voilà, comme si c'était une maison qui était rafistolée au cours du temps. Et voilà, moi c'est comme ça que je l'ai imaginé. Et là, donc, je suis en train de créer le bureau. Alors, j'ai cherché un petit moment. Et puis, le mobilier, il est assez rustique, assez foncé quand même. L'intérieur de la maison, il y a de la pierre, il y a du bois, voilà, du carrelage, comme si le carrelage, il était un petit peu fané aussi. Comme si c'était une maison, pas à l'abandon, mais... non, pas du tout à l'abandon, parce que du coup elle est quand même assez soignée, j'ai mis pas mal de plantes de partout. Moi je trouve que ça donne pas mal de vie à cette maison et je trouve que c'est super sympa. J'ai quand même gardé aussi cet esprit automnal en mettant quand même pas mal de choses dans les tons orangés, rouges, jaunes, etc. Un petit peu comme à l'extérieur, pour que ce soit assez coloré. Là j'ai placé par exemple le fauteuil qu'on trouve d'ailleurs je pense chez Ikea, c'est une espèce de fauteuil qu'ils ont refait. Je l'ai mis de couleur jaune pétard, avec la petite... je trouve qu'il va bien aussi avec le tableau, avec la petite étagère aussi que je mets à côté, etc. J'ai placé les cadres avec les poires qui sont jaunes aussi. J'ai fait tout un petit ensemble de couleurs orangées, jaunes, toujours pour rappeler l'automne et pour être dans le thème de la maison. C'est une maison familiale, hein, je l'ai pensé pour plusieurs personnes, donc vous avez un couple, une chambre parentale, une chambre pour un enfant et une autre chambre qui est une pièce une chambre d'amis dans ma tête, mais après cette pièce là vous verrez, vous pourrez la transformer facilement en une autre chambre pour enfants ou pour un bambin. Voilà, donc là la pièce à vivre c'est une grande salle. J'ai mis une grande table de ferme aussi, j'adore cette table de ferme, elle est trop jolie je trouve, ça fait vraiment très campagne, c'est super mignon. Et j'ai mis des chaises un peu dépareillées, ça c'est mon truc, hein, j'aime bien, je mets souvent des chaises dépareillées. J'avais une petite alcôve où je ne savais pas trop quoi mettre dedans, donc j'ai placé un canapé à l'intérieur. Voilà, il allait pas si mal que ça, donc je l'ai mis là. Ensuite, la cuisine que vous voyez à l'écran, c'est une cuisine ouverte, toute simple, vraiment simple, avec les objets qu'on a eu dans le pack Être Parent. J'adore cette cuisine-là, c'est super joli. Par la suite, vous verrez, j'ai changé le mur, j'ai placé un revêtement de mur avec comme des petits carreaux de ciment. On le voit pas tout de suite parce que je l'ai rajouté à la fin, hein, un peu plus tard. Comme d'habitude, hein, je fais les trucs un petit peu dans le désordre. Après, j'ai placé un petit coin salon. Alors, il n'y a pas de pièce dédiée vraiment, hein, pour le salon. C'est une grande pièce à vivre. Le séjour est franchement assez grand. Et j'avais besoin de délimiter les espaces. Donc, c'est pour ça que j'ai placé pas mal de tapis. Dont deux tapis les mêmes, en fait, identiques. Devant le canapé de la petite alcôve et devant le canapé du mini salon. Ensuite, j'ai placé pas mal de déco de partout, toujours cette déco qui rappelle l'automne, toujours avec les mêmes couleurs, des couleurs douces aussi, hein, de l'automne, j'aime beaucoup. Et donc j'ai placé pas mal de déco, les étagères avec les bouquins dessus, des tableaux, encore des citrouilles, hein, vous les voyez là à l'écran. Ensuite, cette pièce-là, elle le donne aussi sur l'extérieur. Donc c'était important pour moi de créer un grand espace justement où vos cimes puissent marcher dans tous les sens sans se cogner les uns les autres. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire un grand espace de vie pour les cimes. Et donc là, je suis en train de fignoler un peu, hein, finalement, le bas. Là, j'ai bientôt terminé. Je suis en train de placer une petite table basse et j'ai cherché encore une fois, à chaque fois, chaque fois que je fais une nouvelle maison, je suis en train de chercher quelle table basse je pourrais mettre, et puis à chaque fois, c'est toujours le même constat, il n'y en a toujours aucune qui me va,
Donc du coup, je reprends ma petite astuce des poufs là, dans la partie des fauteuils. Il y a des petits poufs, et puis j'en colle deux à côté, et ça me fait ma table basse. Et ensuite, ces poufs, évidemment, votre sim, il peut pas poser des affaires dessus, des accessoires dessus, donc c'est à vous ensuite de monter les objets pour les placer pile dessus, quoi. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est très important quand vous placez une de mes maisons, puis d'ailleurs dans n'importe quelle maison du jeu, hein, les gens qui se servent pas mal du bébé Move Objects On, c'est super important d'activer le code avant de placer la maison, parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir pas mal de décos qui disparaissent, qui sautent, parce que le jeu ne reconnaît pas les endroits placés avec ce code-là. Vu que le code n'est pas activé. Donc il faut absolument placer ce code avant d'activer... avant de télécharger la maison. Ça y est, je vais y arriver. Alors, on est à l'étage maintenant, et là, ça y est, j'ai commencé à créer les chambres. On est décidément, aujourd'hui, je suis pas encore réveillée, je crois. Donc j'ai décidé de créer une chambre parentale et une chambre d'amis. J'avais pas envie de créer plusieurs chambres d'enfants parce que du coup je préfère vous laisser le choix. Alors j'ai créé deux chambres d'amis comme ça. Enfin pas deux chambres d'amis, mais bon, la chambre parentale et la chambre d'amis, c'est vous qui décidez laquelle et laquelle en fait. Voilà, c'est pour ça. Ensuite j'ai cherché un moment quelle armoire j'allais mettre. Je voulais quand même mettre une armoire, hein, parce que c'est important que votre sim puisse se changer. Et puis d'ailleurs ça m'a fait penser que j'aimerais bien en mettre une en bas. Et j'en ai mis une vers la cuisine pour casser un peu les codes. Je trouve que ça rendait super bien cet endroit-là. Et puis ça fait très campagne aussi, ça fait très meuble qu'on vient de chiner dans une ressourcerie et qu'on vient de décaper et de repeindre. Et voilà, j'aime beaucoup ce style de déco, et du coup c'est pour ça que je l'ai fait dans les Sims. Ensuite, là je suis en train de fignoler la chambre. Et... Donc cette maison, si vous la voulez, elle est disponible dans la galerie. Mon ID origine, c'est Ange Rouge 24. Vous pouvez la retrouver donc dans la galerie, et vous pouvez la télécharger aussi directement sur mon site si jamais vous n'avez pas accès à la galerie, si vous êtes mineur par exemple. Vous pouvez quand même télécharger ma création, et ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun CC dans ma création, rien ne fera bugger votre jeu. Voilà, c'est que du contenu officiel d'IE. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous retrouvez sur mon site Studio Sims Création la vidéo, vous retrouverez les photos, je fais pas mal de photos à chaque fois, hein, pour vous montrer exactement, hein, pour les gens qui regardent pas les vidéos, hein, parce que c'est pas tout le monde qui regarde les vidéos. Ça c'était pour les infos, donc je vous mettrai tout dans la barre d'infos. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, moi je vous fais des gros bisous, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir, et de laisser un commentaire, et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, salut !